Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne officielle du CIB TV, Salon International du Bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI à Casablanca. Cet événement, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, traitera du thème « L'innovation et la résilience au service d'un cadre meilleur ». Avec moi, nous recevons justement la société Magnovent, en la personne de M. Trevisan Hubert, donc responsable commercial au niveau international. Donc vous êtes présent sur deuxième fois sur cette édition du CIB, si je ne me trompe pas. Exactement, deuxième fois. Première fois il y a quelques années, et là avec notre nouveau partenaire First Term. Très bien, alors on les a accueillis sur ce plateau, effectivement. Ils nous ont parlé un peu de leur champ d'activité. Vous êtes spécialisé dans la ventilation industrielle et tertiaire, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. Notre objectif, c'est de diminuer les coûts d'énergie, que ce soit au niveau chauffage ou air conditionné en été. Donc, réduction de la consommation d'énergie autour de 45% pour le chauffage et 25% pour l'air conditionné en été. Alors, après votre deuxième participation, quelles sont un peu les innovations justement de Magnovent aujourd'hui ? Donc, en fait, chaque année, on apporte de nouveaux produits. On a commencé notre société en 2008 avec des ventilateurs industriels allant de 1,50 m jusqu'à 7 m de diamètre. D'accord. Donc, pour des espaces et des mouvements d'air jusqu'à 2000 m². Type parc d'exposition. Exactement. Hein. Type parc d'exposition, aéroport, où nous sommes spécialisés. On a 21 aéroports faits en réalisation en Espagne. Et là, donc, on est en développement international depuis 5 ans, notamment en Amérique latine, en Asie et nouvellement au Maroc. Alors, le marché marocain, aujourd'hui, c'est un marché qui est assez attractif. Aujourd'hui, comment observez-vous la santé du secteur du bâtiment à travers déjà du CIB et au travers de ce que vous avez pu découvrir? Voilà, donc à travers First Term, notre nouveau partenaire qui a de belles réalisations dans tous les domaines, que ce soit centres commerciaux ou industrie pharmaceutique par exemple, on a une entrée dans le marché marocain qui est positive. Alors, au niveau des process d'installation, comment vous opérez justement avec ces industries, avec ces grands sites? Parce que c'est toute une logistique, voilà. Ça demande énormément de préparation en amont, donc, nous, d'études. Voilà, c'est ça, c'est l'étude. Donc, nous, on a notre bureau d'études dédié. D'accord. Comment on fonctionne, c'est qu'on fait des premières visites de site pour voir le bâtiment, l'isolation, ce qui a été installé ou pas au niveau du conditioning de l'air. Mm-hmm. Et à partir de là, on réalise des études dans notre bureau sur l'emplacement, mais aussi le dimensionnement des ventilateurs, par exemple. En plus, si l'isolation des bâtiments n'est pas performante, dans ce cas-là, on propose d'autres matériaux à nos clients, comme des peintures isolantes, par exemple. Très bien. Alors, d'après vous, quelles sont les tendances, les tendances internationales aujourd'hui en termes de critères de ventilation industrielle? Ce qu'on voit, c'est que déjà il y a un très grand attrait pour tous ces produits qui permettent de réduire la consommation d'énergie. Ça, c'est le premier point. L'année dernière, c'était déjà en vogue, mais cette année encore plus. Mmh. Et pour 2023, on est sur de bonnes perspectives dans ce milieu-là. Et en positionnement de coûts d'installation avec cette concurrence internationale, aujourd'hui, Magnovent est positionné comment ? Nous, on reste très attractifs. Nos concurrents sont soit américains, mais qui ne sont pas basés en Europe. Ils ont des distributeurs, donc il y a des coûts qui sont annexés. Et nos concurrents asiatiques
passent par des distributeurs, non pas forcément de stock ici en Europe ou ou au Maroc. Donc c'est notre force. Aussi. Alors quel avantage d'adopter vos solutions, on va être concret vis-à-vis de nos téléspectateurs, ceux qui nous écoutent, hein, les opérateurs, les professionnels. L'avantage, c'est d'avoir une société dédiée au Maroc qui est près de vous, un stock au Maroc qui est près de vous. Et donc, au niveau économique, vous n'avez pas acheté tout un container comme ça serait le cas avec des marques autres que Magnovent. Très bien. Donc, Magnovent présent dans le stand de First Term, si je ne me trompe pas. Exactement. Voilà. En tout cas, ravi de vous avoir accueilli sur ce plateau. Et puis, comme indiqué, suivez nos entretiens avec ces différents acteurs de la construction, du bâtiment, de l'urbanisme et de la décoration ici sur la chaîne CIP TV. Découvrez l'ensemble des entretiens et n'hésitez pas à profiter de cette édition jusqu'au 27 novembre ici au parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida. Merci. Merci à vous.